Eh, juste me fonce pas dedans, hein. Allez, allez. Oh, ça va? Ah. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de faire un tricycle avec une base de BMX, avec zéro talent de mécanique et de soudure. Comment on pourrait expliquer ça? En gros, de base, ta roue, tu la mets entre la fourche. Sauf que je me suis dit, pourquoi pas mettre les roues à l'extrémité de la fourche, c'est-à-dire mettre une roue ici, et rien au milieu du coup, t'as vu? Et du coup, ça ferait un tricycle et on roulerait avec un BMX à trois roues, deux à l'avant, une à l'arrière. Pour cela, bien évidemment, je peux utiliser les pièces toutes neuves que j'ai sur mon magnifique BMX. Dédicace à Philippe de m'avoir fait cette merde, ce beau vélo, je veux dire. Je remercie Mathilde qui m'a envoyé deux fourches, qui l'a complètement niqué. Donc celle-ci qui est légèrement tordue. Bref, on va pas utiliser celle-ci, on va utiliser celle-là. Et j'ai récupéré mes deux anciennes roues qu'il y avait sur du coup ce BMX qui ont déjà plus de 4 ans dans la gueule, donc elles sont plus à ça près. Donc on va les mettre tout de suite sur le BMX. Toi, t'en penses quoi? Tu penses que ça va passer? Bellec. Ah, fait Bellec. Oh. Ah ouais. Non, mais filme pas ça, s'il te plaît. Je vais même pas mettre une potence. Ça rentre pas. Attends, vas-y, je sais que t'as l'habitude de taper dans le fond, toi. Ouais. Non, mais c'est neuf, gros. Je lui ai dit, fais comme avec ta maman. Avant que le vélo soit monté, qui va faire quoi ici comme figure? Moi, si tu veux, je fais un foot jam. Whip, hopo whip, whip et bar. J'annonce. Vous êtes pas au courant de ce que je suis en train de monter là? Est-ce que vous avez bien entendu le concept de la vidéo, hein? Oui. Trois roues à l'avant, hein? Oui. Je sais même pas si on va réussir à sauter. Hein. Juste rouler dans le pump track, ça va être horrible, hein? Ça va être horrible. Attends, est-ce que c'est possible de rouler juste comme ça? Non. Tu penses? Est-ce que la fourche elle zigzag? Je sais pas. Ça c'est marque professionnelle. C'est solide cette fourche? Non. C'est bon, ça bouge pas? Voilà, ça bouge pas. Hein. Attends, vas-y, serre bien fort quand même au cas où. Oh, c'est un reçu fort que t'es con. Je peux pas faire ça, sinon je casse. Oh mec, c'est horrible. La vie de ma mère, c'est horrible. C'est inroulable. T'as le vélo qui fait ça, qui tangue. Eh, dis-moi ce que t'en penses, ça fait quoi? Attends. Non, t'arrêtes. C'est bon, elle est droite. On va mourir, la vie, on va mourir. Ça va pas tenir. Non, c'est obligé. Oh, t'es connerie. Oh, s'il te plaît, laisse-moi ici avant que ça casse. Après, volontiers, je te laisserai faire. Ça dit quoi dans le pump track? C'est affreux. La vie, on va clamser. Mais non. T'as vu, t'as l'impression quand tu roules, t'es bourré. Nope. Vas-y, deuxième essai. Après, essaye de faire fucky avec, gros. Oh là là. Qui fait Bunnybus? Bunnybus. C'est bon. Tu peux le refaire. Sois un peu plus doux avec la bête s'il te plaît. Sur l'objectif, ça serait quand même de faire backflip, hein. Nope. C'est hyper lourd de l'avant, hein. Mais oui. Bah et forcément tu rajoutes deux roues. Bah voilà. Allez go. Oh là là, mon dieu, c'est horrible. Eh, j'ai trop... Oh putain. Oh le virage. Oh, je suis que sur une roue, c'est naf. Oh là là. Est-ce que c'est possible de manuel? Oh là là. Oh putain. C'est inroulable. La vie de ma mère. De tous les trucs que j'ai fait, c'est le pire. Nope. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ose pas trop mettre de poids sur une roue. Parce que si ça vient à casser, je meurs. Vas-y, je vais te suivre en courant. De toute façon, tu risques de pas aller très vite. Ouais, hein. Moyen. Allez, Samy. Mais non, il s'est mort sur la rouge. T'as vu que c'est horrible? Allez, monte sur le wall. Oh, le petit slip, j'ai même pas monté. Bon, c'est comment? T'inquiète. Bah oui, je m'inquiète. Oh, il avance tellement pas. Bon, allez, à mon tour de tester le pump rack rouge, là. Oh là là. Oh putain. Pouah. Oh. Comme ça guidonne. Est-ce que tu penses que c'est possible de sauter à double juste là? Non. Vas-y, laisse-moi essayer. Gros, on a sauté zéro boss. Au moins qu'on saute un truc. Oh ouais, là c'est chaud. Ah ouais. Nope. Voilà. En vrai, je commence à prendre le coup de main, tu vois. Mais juste, le problème, c'est que c'est tellement pas solide que j'ai peur que ça casse. Voilà, c'est juste avec la force de ma main, donc imaginez avec tout mon poids dessus et la vitesse. Je sais pas c'est quoi la marque de cette fourche, mais bon, pour l'instant, ça tient, hein. C'est Durant. Je sais pas ce que c'est. Bas de gamme. En vrai, attends, j'ai une idée de... Nope. Du coup, je disais, j'ai une idée. Avec ce vélo, on peut faire encore plus con. On peut mettre 4 roues. En fait, on fait la même chose qu'on a fait devant, sauf à l'arrière. Une roue là, une roue là. Ça veut dire, si vous êtes chaud, 20 000 pouces bleus et on fait ça. J'ai un truc à vous proposer. Est-ce que ça vous dirait de faire une course sur le pump track rouge et celui qui fera le moins de temps à gagner?
Vas-y. Rider numéro 1 qui veut faire la course. Qu'est-ce que tu vas tenter? Un record de vitesse avec le tricycle sur le pump track rouge du stride. Bonne chance. On est parti. Let's go. Allez, vas-y Lilian. Il est trop chaud. Et en plus il va vite le con. Oh, speed, speed. Mais quoi? Mais non. Saute, saute, saute. Il a sauté. Mais non, mais va ultra vite. C'est mort, j'irai pas aussi vite. C'est mort. Il est vraiment chaud. Mais il a fait ça toute sa vie, mon gars. Oh putain, il a fait sortir. Ah, il rattrape les grâces. Mais quoi? Mais pardon. On a oublié de chronométrer. Ah, mais oui. Mais comment dire, c'est Quentin. Ouais, bon, c'est qui le deuxième du coup? Moi, qui c'est Quentin. Hein. Allez. Ah, d'ailleurs, et qu'est-ce que t'en as pensé? C'est bien, mais ça fait un peu peur. Hein. Dans les virages, c'est moyen. Moi, c'est dans les sauts, je te jure. Avant, je guidonne, donc j'ai trop peur de faire un hors-piste. D'ailleurs, ouais, t'as failli faire deux hors-pistes sur cette course. Ouais, j'ai failli faire deux hors-pistes, mais moi, je saute pas, c'est plus simple. Tu vois, j'enroule et comme ça, au moins, y'a pas de soucis. Tiens, le raceux quoi. Ah, mais alors, attends, faut resserrer. Comment ça, il faut resserrer? Écoute, faut légèrement resserrer. C'est peut-être pour ça que ça a touché un peu, non? Ouais, non, t'inquiète. Le truc trop dangereux. Et attends, est-ce que c'est le moment de dire ne refaites surtout pas ça chez vous si vous voulez? C'est réalisé par des professionnels. En vrai, si vous le faites chez vous, ça va, mais venez pas dans un skatepark avec ça. Non, ne le faites pas du coup. Mathis, vraiment, c'est très gentil pour cette fourche. Je veux même pas savoir ce qu'il a fait avec cette fourche parce qu'il m'a dit qu'elle était morte. Mais voilà, si ça peut vous rassurer encore plus. Allez, c'est parti. Quentin qui s'élance. Wow. On voit qu'il est moins à l'aise que toi. En vrai, il se débrouille bien. En vrai, ouais, c'est raisonnable. Un petit hauteur sur le wall. Saute, 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 saute. Là pour l'instant il y a 21 secondes. Faut savoir que normalement le tour on le fait en 24 secondes. Avec un vélo adéquat bien évidemment. Allez, c'est bientôt la fin. Allez, oh putain. Oh putain. 36 secondes 60. Ah, c'est trop dur. Vas-y, à mon tour. Allez, allez go. Mais lui aussi je dirais il fait ça toute sa vie. Il abuse lui. Oh mon dieu. Non, je m'égare. Oh mon dieu, j'ai l'impression d'être bourré. Il est pas mal. Il y a la bosse là. Ah ouais, elle a fait comme moi presque. 35-56. Vas-y, lance-le, c'est parti. Samy qui s'élance. Samy, je sens l'accident. Allez Samy, allez, tout pour la race. Oh putain. Je lui ai donné un conseil, je crois que j'aurais pas dû lui donner. C'est rester, mettre le poids sur la roue arrière. Samy, je crois que t'es à la traîne. Accélère un peu pour voir. Oh, Samy, à fond, à fond. Oh, le guidonnage qu'il a fait. Il y a combien de secondes là? 30. Oh, ah bon, ouais, il a perdu hein. Venez, on lui donne un gage comme il a perdu. Faire un buzz direct, first try sur la résie. Ouais. Et le score de Samy, 43-21, c'est une honte. Samy, comme t'es nul, t'as un gage. Tu sais, on a fait le pump track, maintenant on s'élance sur autre chose, tu vois. À l'accueil, genre je suis le premier à me poser dans le canapé. Toi, on a fait les races, maintenant faudrait faire un peu les freestyle, tu vois. Barre sur la résie, squat, full cab. Vas-y, full cab. Allez. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Nope. Oh, le nulos. Bravo, mais ça veut pas dire que tu vas pas faire buzz résie hein. Ah ouais. Juste la descente elle fait trop peur, mais non. Mais non. Mais attends, mais backflip en moyen, y a franchement, il y a grave moyen. Y a grave moyen. En vrai la descente ça va hein. Ça va. Mais mec. Mais gros, ça le fait. Nope, nope, nope. Si tu tournes pas, ça le fait. Si tu restes tout droit, ça passe. Tu fais quoi là? Buzz, mais non. Nope. La truite. Samy, ça part sur le bus là. Oh. Allez, si, si, c'était ton défi. Dans la descente, tu vas tout droit. Il est là le problème. Il sait pas aller droit lui. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Non, mais je sens que tu te... Non, mais je te stabilise pour que tu sois bien droit. Allez, Samy. Bon, du coup, c'est toi qui nous fais barre. Ah ouais. Non. Oh, on m'a dit faut aller tout droit. Nouvelle chaîne YouTube, Pierre Sorio ASMR. Fais-nous 3-6. Avant de faire 3-6, j'aimerais bien essayer un moto whip. Bah ouais, c'est chaud parce que quand tu fais un whip, tu tournes dans le kick. Donc. Ça va, c'est validé, c'est validé. Non. Wow. Il nous a fait croire qu'il a eu l'idée ce matin, mais en fait, ça fait 3 mois qu'il se prépare, le frérot. T'inquiète, t'inquiète, le prochain essai, il passe. Il y a un petit problème là, mais non, mais léger hein. Non, regarde. Voilà, il n'y a plus de soucis. C'est tout neuf. Sécurité, tu peux te tuer. Vas-y, on va faire un whip hein. Mais pardon. Eh, il a touché. Ouais, mais pour moi, c'est validé hein. C'est sur relis, mais... Oh là là. Franchement, j'adore ce que je vois. Il a failli sortir. J'en ai marre de voir des petits tricks. Venez, on fait vraiment des gros tricks. Mais... Je sais pas, on pourrait faire un petit flip. Moi, je fais pas de flip, c'est dead. Qui lance le premier flip ici? T'y vas? Mais d'abord, je fais juste un saut vide. Mais ça passe facile. Mais non. Franchement, flip. Il y a grave moyen, les gars. Vas-y, gars, je fais flip. Attends, je me mets au plus près de l'action, s'il te plaît. Juste, me fonce pas dedans. Hein. Allez, allez.
Ça va? Bon, nous voilà devant la Rési. Au sujet de Quentin, on sait pas trop ce qu'il a. Il est parti à l'accueil se mettre de la glace sur le poignet. Il s'est fait ultra mal au niveau du dessus du poignet. Du coup, je vous mets juste là ce qu'il a et juste là son compte Instagram. Franchement, si vous pouvez lui donner un maximum de force, parce que je pense qu'il s'est fait quand même assez mal. Surtout pour une connerie, vas-y, ça a cassé. En vrai, franchement, personnellement, ça me fait trop chier qu'il se soit fait mal. Après, bon, bah, c'est le jeu, c'est le sport. Enfin, là, c'est pas vraiment le sport, c'est juste une connerie, c'est une stupidité. Même les professionnels, vous pouvez voir, peuvent se faire super mal. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention, de se protéger au maximum et de pas faire nos conneries. Sur ce, on a mon tour de faire backflip. Voilà. En vrai, je comprends pourquoi il est parti en billet, parce que bah du coup tu te concentres que sur le flip, mais plus sur la descente. Et le moindre hésitation, bah t'es foutu, t'es mort. Attends, je refais encore des sauts, tu vois. Vraiment, il faut que je me mette à l'aise. J'arrive même plus à rouler avec le truc, gros. Faut que je lance quand je guidonne pas, en fait. Faut vraiment que ce soit parfait dans mon élan. Nope. En fait, il y a moyen, mais c'est juste, faut être tout bien et se concentrer à mort. Nope. J'étais tellement heureux que j'ai perdu le fil sur le quarter et j'ai eu trop peur. Encore merci à tous les potes qui m'ont accompagné pour cette vidéo, notamment Samy. Monsieur Lilian. Et enfin, Quentin, grosse pensée à toi. Bon, je sais pas si ça va mieux ou si c'est pas trop grave. Je mets son compte Instagram juste là et dans la description. Allez lui donner un max de force, ça fait vraiment plaisir. C'est un pro BMX freestyle, il envoie vraiment du lourd et son compte Instagram en vaut vraiment la peine. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain à 12h30 sur cette chaîne. Ciao!